Haïti débat. Je suis blessé. Mobilisation faite toujours. Mais pas oublier, c'est à Tabar. À Tabar, il y a l'ambassade américaine. Et comme la violence faisait rage, comme disait Jean-Dominique, paix à son âme, les employés de l'ambassade, ils n'ont pas qu'à travail. Ou du moins, si on a travail, ils ont pris en otage dans cette spirale de violence au quotidien, mené de main de maître par un certain Casimir Chariot. Une anecdote d'étiquette, monsieur. Monsieur a tout profité frapper Vladimir là parce que monsieur parle candidat en face Michel, il va laisser battre Michel pour détruire la capacité Michel. Donc je vous dis non, ce n'est pas vrai parce que Michel Martelly sera candidat et moi non. On continue. Maintenant, Haïti débat. Mais si on a fait toute base, toute caméra, c'est sûr que même sur une caméra, il y a des gens qui ont baudé des informations, il y a baudé des renseignements. Ah, j'ai invité monsieur dans le palais, l'inspection générale m'a débrouillé, monsieur Baye. Monsieur dit le malade va aller. Monsieur n'a pas jamais allé. Et pendant que violence sa fait, l'un des responsables de la sécurité de l'ancien président Michel Martelly, il recevait l'ordre formel pour l'écarter monsieur de l'environnement de Michel Martelly. Et Michel Martelly a été informé. De même que Jovenel Moïse, de ça, de l'ensemble de violences que monsieur a fait. Mais comme c'est un homme connu, puissant, respecté, et qui est comme la main, donc, bah là, on est difficile. Mon qu'on est l'orgue pouvoir, oubliez la loi. Et l'orgue cob, ou gueveti. L'orgue zam, ou pas respecter personne. C'est dans ce cadre-là, à partir de ce pouvoir immense que la police a conféré, monsieur. Je ne reprendrai pas le thème de Sorel Jacinthe, qui avait déclaré hier que le président se prend pour un dieu ou bien pour le dieu, mais je crois que ce type se faisait passer pour un intouchable. Et pendant que monsieur a évolué l'autre bois, il va jamais à l'inspection générale. Il est arrivé que la police nationale DCPJ a fait opération et on a arrêté une dame. Toujours selon les propos de Claude Emmanuel Camille. Haïti débat, Haïti débat. DCPJ, arrêté une dame. Le dame n'a impliqué dans un vol de véhicule. Ok? Mais il arrive que dame n'a pas de relation avec monsieur. Il n'a pas défini qui type de relation que monsieur Dadam. Mais comme tout le monde sait qu'il est puissant, il est fort et connu par les autres policiers. Pas comme était quelqu'un qui n'a mauvaise affaire. Ben, c'est pas ça m'a parlé là, non? Un policier connu. Et monsieur Tisson, le DCPJ, comme il a le bras long, il a été voir. Il a le gardé bourré, ça gagne. Et monsieur parle en pile, quoi, monsieur Baye. Monsieur dit des bagailles, que je ne vais pas répéter là, d'après sa police Odim, parce que je me bat là. Même si la police Odim, il y a des bagailles. Les autres, je dis, vous avez dit, mais il y a de l'autre bas, ou pas qu'a dit. Parce que je suis déjà en difficulté pour mal dire bagaille ça. Je ne vais pas dire moi-même, parce que je ne vais pas croire. Monsieur dit. Oh! Quand vous avez un dossier pour monsieur, appelez. DCPJ, c'est l'ambassade américaine. Oh, ils sont venus parler là. Bap. Arrêtez, monsieur. Maintenant, je recevoir un appel d'un homme de loi très connu qui dit que je vais aller à l'enquête. Hier, j'ai appelé et j'ai confirmé l'arrestation et puis ils me font tweet. Et arrêtez, monsieur. Mais. Haïti débat. Ça me l'a dit, nous, Haïti débat. Haïti débat. Haïti débat.
Comment se fait-il que des policiers soient aussi puissants dans le mal? C'est pas la force du bien qui domine l'action du policier. Nous voulons venir dans ça, c'est pour montrer où. Rien qui fait plus désordre là, c'est les sociétés à respecter. Les hommes de bien sont jetés au laminoir. Sont jetés à la poubelle. Haïti débat. Haïti débat. Quand j'ai appelé à Tabar, et puis le Seigneur me dit, oui, oh oui, ce monsieur, oh, non, 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 écoutez, c'est comme si c'est triste. Pour voir comment, avec la force des armes, que on est armé capable de mettre à genoux toute une communauté. Ce n'est pas normal. Il y a un problème sérieux dans ce pays. Nous te voulons dire donc, l'histoire a montré que, clairement, ça qui passe, n'attend la justice pour ça. Et la justice a dit, moule, si monsieur son équipe a fait un, il a libéré, mais s'ils font bagarre, justice là, établi pour tout. Maintenant, je ne voulais pas suivre hier les réponses, les questionnements, les interrogations. Haïti débat. L'agressivité. Haïti débat. De notre invité. Haïti débat. Je ne t'ai pas parlé de la question de la violence. Alors bien, on est un policier en Haïti, il est difficile pour exercer le métier à bien. Parce que l'on veut faire dans l'objectivité, quel que soit quand c'est payé au BO. Quel que soit quand face à EBO. Ou bien on coupe d'amour. Je vais vous dire, j'ai laissé l'émission hier parce que il n'est pas nécessaire pour moi-même, m'éviter un monde, sénateur, ex-sénateur connu, et puis malgré Marvel, et puis me dit, ça a plus de six mois. La bombe 10,5, 20,5 en plus. Et comme de fait, j'ai vu les commentaires contre Val. J'ai vu les commentaires contre Val. Depuis qu'il est pour dévoyer Val là. Depuis qu'il est Val, t'es tellement contre tout le monde comme ça. Pour qu'il te prenne, monsieur. Pour ouais, c'est le candidat ça. Ou bien, c'est invité sans gagner, yo voyez. C'est-à-dire, nous pas gagner liberté, pas de nous poser question, pas de. T'es sauf les 10 nous là. Hein? C'est-à-dire, quand on est Gaudia, nous sommes tous des vendeurs de micros. Haïti débat. Okay? Comme l'autre qui t'a posé question, il dit, mais regarde, on va défendre l'opposition. Je me dis, mes amis, pourquoi ça va défendre l'opposition? Depuis l'autre a répondu, il dit, non, c'est PHT qui a défendu. Bon, ça t'es conforté quand même, parce que moi, deux groupes opposés, ils dit, je vais défendre une pour l'autre. Je suis content, vous comprenez? Mais vous comprenez que moi, je dois avoir une position, pam. Alors, maintenant, je vais répondre de manière élégante et intellectuelle à l'invité d'hier. Puisque j'ai des rapports avec des gens très importants et très placés, bien placés dans la grandesse. D'abord, nek qui rivait comme député ou sénateur, il va jamais utiliser. Corréga, net ses âmes net, toutes net députés ses âmes net qu'on utilisait avec des gens armés et des gangs. 90% des députés et des sénateurs sont des chefs de gang à cravate. Maintenant, je réponds autrement. Je n'ai pas besoin d'interlocuteur ou de vidéo. Je réponds pour Val. Haïti débat. Nous craser bureau, nous mettre du feu
et puis une élection. Nous mettons ça dans le meilleur, une élection. Mais n'est-ce pas que ça va mourir? À Carrefour-Feuille, vous crasez le bureau de Jean Fouchard. Bandi Krasel et puis tout le monde au pouvoir et au député. Nancy Bonit, Zam Marie, même Jean, il est opposé au premier député. Dans le plateau central, bureau, Edmond manque mourir. Des élections de ça, Zam a tiré, il manque boulet, quand il y a eu le plateau central. Même bagaille là. Dans le sud, il a piqué du feu, il a volé l'élection, même bagaille. Zam, nèg avec zam, nèg avec rache, couteau d'igo, etc. De qui sont venus balle, je dis à la, et moi qui mets zam dans mes nègres. Beaucoup moins n'est pas le député dans la troisième circonscription, si bandit par avant. Haïti débat. Comment pas le député dans la deuxième circonscription, si bandit par avant. Haïti débat. Haïti débat. Les chefs de gang des élites économiques ont déposé des sénateurs. Les chefs de gang des élites économiques ont déposé des sénateurs et des députés. Dans les quartiers populaires. Il y a ces bandits, de qui soit venu parler, je dis à la. Vous me parlez de barbecue, quel rapport que nous avons avec barbecue? Quel rapport que nous avons avec Christ là? Je ne sais pas. Ou bien le type de Gabriel, etc. Qui rapport nous avec eux? Nous-mêmes pour l'utiliser pour l'élection. Chaque n'est de gang pas eux. Chaque n'est de gang pas eux. Bali Bolova. Je dis à la présidence. Ou baron nous yo nan campagne un bon civil armé de qui ça vient parler m là bon les nèg yo pour pouvoir voir ça au fait goup bon l'autre nèg qui bon côté c'est civil yo yo prend policier avec yo mais civil yo gen c'est bandi yo nous pas comment on arrêter yo moi je ne peux pas parler de bandi comment parler de d'un ancien policier ou ça me parler de bandi madame rapport madame maintenant organisation internationale etc. dit ça. Mais vous êtes tous des bandits à cravate et à bandits fonctionnés. Vous n'avez pas vu comment ils ont incendié, ils ont boulé, ils ont crasé, ils ont fait toute bagaille. Mais comment faites-vous, vous voyez nous? Vous voyez nous? Députés, candidats, sénateurs, magistrats, les parlent de l'élection, ils ont des bandits avec eux. Haïti débat, Haïti débat. Passez par policier, oui. Bon, à preuve, nous t'es formé, on l'a mis dans le Parlement. Que la police pas même reconnaître. Zam nan mais tout bas, ça n'a pas les mains. Police parlementaire. Haïti débat. Haïti. Police parlementaire, c'est bandit qui t'a fait nous, nous entrer dans le Parlement. Chalmas. C'est eux qui t'es dans le Parlement qui tue moun dans le plateau central là. On n'a pas les mains là. C'est eux qui a mis Zam sur moun tout partout. Nous distribuons Zam ba yo et puis je dis ya. Yo monte gang, yo monte équipe yo. Côté nous-mêmes, nous barrons avec gang. Nous allons barrer comme ça. Nous autres, nous soutenons l'institution policière. Parce que nous sommes des hommes institutionnels. Nous ne voulons pas l'institution nous-mêmes. Parce que depuis nous montons, nous sommes les chefs de police là. Et puis nous disons, pas oublier, non? J'ai des amis, oui. Nous disons, bon, un tel comme chef. Un tel comme. Et puis il voit. Les vrais policiers, bah nous. L'aile dit pas pour une unité spécialisée. Nous jouons, nous dit, mais quoi, nous te mettons. De qui sont venus balayer là? Ou débarquer quand un policier, ou elle gagne 8,65. Qui s'allie là? Son policier, là, c'est un gangster, c'est un bandit. Il travaille pour vous. Donc, pas venir répondre nous sur question de violence là. Tout n'est gagne gang par eux. Évidemment, qu'on gagne pouvoir, on gagne plus gang. Nous répondons tout pour pouvoir. Hein. Le pouvoir, on a plus gang, on a plus cop pour bail. J'ai vu aujourd'hui des gens de famille Lavalas Haïti débat. Qui étaient aguerris. Ça veut dire des nègres, yeux bandés. Famille Lavalas. Je dis, ils n'ont pas Lavalas encore. Ils sont avec d'autres candidats. De qui sont venus balayer là? Les candidats récupèrent les hommes armés. Ils ont récupéré les hommes armés. Donc, la question de la violence, depuis qu'on parle de l'élection, tout n'est que des hommes. Non, mais ils ont utilisé bandits à gangsters. Donc, Zamnan, dans mon candidat, et puis il va gagner un civil armé. Quand on a un cop pour prendre,
des policiers, des agents de sécurité de SNS, pour Cyril Tabor, 20 nègres. Comment on va le faire pour prendre 20 nègres? Quand on va rester. Pour tout le temps, il y a des âmes, c'est les âmes. Quand on va à l'élection, et puis on dit que les âmes, c'est les nègres. Pour qu'on va à l'élection, c'est un pays d'hommes armés illégalement. Tout net, des moun armés avec eux. Il y a deux exceptions que tu as fait, même pas cité yo, qui t'aime quitter nèg ça au passé c'est yo. Pas petit non yo. Même moi yo a évolué, moi pour compte yo, moi en agent sécurité, moi au gain on est occupé avec une machine blindée, les monte à madame ni, les gon petit, ils monte avec lui, peut-être on gain sécurité, il va besoin. OK? Donc nèg toujours acheter bandit, acheter gangster. Gon nèg nan non. Gon nèg nan non. Nèg ça. Monsieur qui même 40 hommes armés avec. Mais tout est connu depuis des lieux. Les bloqués nan non, les monsieur. Monsieur paraît à 2h du matin. Afin nèg armé. Même ce député. Mais qu'il y a gang ça. Ça crée. Maintenant, pouvoir que position, non? Élu et candidat. L'homme a un examen. Plusieurs examens pour être aidé pendant l'élection. L'homme a passé, zam de l'État, mais pour propriété privée. Et ces zam ça va l'utiliser pour le manger. Et mais créé un groupe gang. Et puis ça passe vous-même. Ou une chef de gang. Tout le monde connaît ce qui a passé à la Tibonite. Personne n'a pas besoin de peur. Ou à des candidats à la mairie. Et tout le monde, ça qui a passé, comme un gangster, tu es l'autre bois, tu es distribué les âmes, etc. En face, ou à candidat magistrat, ouais, tout le monde, ses âmes net. Tout petit petit dans la zone, ça a les âmes. Donc, tu as besoin de manger, ou ça a les âmes. De qui ça a fait une balle là? Bon bluffeur, bon assassin qui propose candidat, ou comment qui passe là? Même si nous n'avons pas parlé. Nous sommes bien avec vous, nous respectons. Mais les gens qui bien avec nous, ils proposent bien. Ils proposent bien. Je ne vais pas prendre revanche quand on leur fait un barré qui mal. Surtout contre proche. Parce qu'il faut toujours passer sous le monde. Il faut toujours acculer le monde. Il faut toujours chercher tuer le monde. Haïti débat. Haïti débat. Je peux m'en identifier les bandits à cravate. Je les connais. Je les connais. Et c'est pour ça qu'il cherche à voir si je serai peut-être candidat pour m'offrir des hommes armés. J'en ai pas besoin. Je crois que le moment n'est pas encore venu pour que je me porte candidat. OK? Mais pas besoin d'examen, pas besoin de ça. Parce que ça pour ne pas pouvoir. Troisième point. Je crois que beaucoup de personnalités importante. J'étais très content par rapport à ce qui s'est passé en République dominicaine. Haïti débat. Haïti débat. Écoutez, le président était campé dans le coin avec Marc Pompeo et puis il t'a parlé. Parce que le président est humilié, ça fait du bien. Et ça permet aux opposants de prendre de l'espace politique. Comme j'ai eu à poser la question à Sorel, et c'est pour ça que nous avons quitté ça passé. Mais je savais que j'allais revenir sur l'information réelle. Parce que hier, c'était un peu difficile pour moi d'évoquer les points essentiels de ce qui est passé. Puisque moi, moi-même, depuis ma vie, je n'ai toujours pas d'information. Il m'a gardé pour moi. Qui chante. Comme si on est qui président, comme si Aristide président. On dit oui. Cet homme d'église est trop arrogant. Un petit nègre. Regardez-nous. Même nègre qui était en opposition. Oui. Oh oui. Qui ont participé au coup d'état de Jean-Baptiste Aristide parce qu'il faisait d'autres alliances à l'époque.
puisque ces gens-là faisaient partie du groupe des 184, légalement. Je ne vais pas dire que Mathieu Aristide. Mathieu Aristide était considéré comme Jovenel aujourd'hui. C'est comme ça l'histoire et c'est comme ça la politique. En Haïti, surtout. Mais nous autres, nous n'avons pas fait ni position politique, pouvoir, ni l'opposition. Mais pourquoi chercher la vérité? Pourquoi essayer, Walter, de comprendre ce qui s'est passé, Walter? Parce que vous avez trouvé bizarre. Pour dire, Marc Pompeo, campé à Jovenel. Mais ce n'est pas Marc Pompeo, non pas bon. C'est Jovenel qui n'est pas bon. Je n'ai pas entendu les Américains crier à haut de Marc Pompeo parce qu'il était campé. Mais nous-mêmes, nous sommes enragés parce que Jovenel était campé. Mais c'est tout là de que tu es campé. Quelque gros problème. Pourquoi Jovenel a été humilié et Marc Pompeo n'a pas été humilié? Parce qu'il s'est des États-Unis d'Amérique, mais il était campé dans le même espace. Je t'ai parlé. C'est pour montrer au bagage là. C'est que nous m'avons les Haïtiens, pareil nous. Et là, Jovenel, non. Si c'était Aristide, nous t'avons dit même bagaille là. C'était Sorel qui était là, nous t'avons dit même bagaille là. Si c'était Matisse, nous t'avons dit même bagaille là. Parce qu'il faut craser Haïtiens pareil. Au lieu de chercher la vérité. La vérité, nous allons mettre sous table pour nous. Haïti débat. Elle est simple. Elle est simple. On est qui dit menti. Vini à information pour là. Et je suis prêt à voyager pour m'accompagner à la République Dominicaine 1. Ou bien pour demander à Marc Pompeo où entretien. Parce que quoi Marc Pompeo plus que Jovenel. Haïti débat. Ou bien rencontrer staff République Dominicaine 1. Et puis on va dire que okay, pas un problème, mais ça t'est passé. Qui t'a expliqué nous ça t'est passé? Je regarde l'heure. Haïti débat. Le département d'État invitait le président Jovenel à une rencontre avec le secrétaire d'État américain, Marc Pompeo. L'invitation était tellement faite de manière formelle, Miami Herald annonçait. Donc, c'était quelque chose de planifié. Mais comme c'est la République dominicaine, et c'est la République dominicaine qui a fait événement, c'est l'invité, c'est staff qui a organisé l'investiture. Président, c'est lui-même qui doit prendre contrôle de tout événement, de toute activité, tout bilatéral qui va le faire. Haïti. Les équipes département d'État arrivées en République dominicaine. Haïti débat. Haïti débat. Ils prévoient pour y aller faire une rencontre non sale. Et qui pompe au roi, raquette plat. Et puis, ouais, ça n'a pas de screener. Parce qu'il y a tellement de coronavirus. Pompe au sémant, il ne dit pas monter dans la salle. Ça. Vous écoutez. Haïti débat. Haïti débat. Haïti débat. Pompeo dit le pape entrer parce que les trois coronavirus sont morts, le pape entrer sale ça, pas approprié pour lui. Et puis il retournait et puis il expliquait à Jovenel, je vous présente mes excuses, monsieur le président, parce que là, je ne peux pas le prendre, parce que l'équipe, pas de temps, fait tout ça qu'il peut le faire dans sale ça. Et je me suis fâché contre le groupe d'équipe là et puis dit, président, ok, à nous-mêmes nous parler. Et au campé, ils ont fait 45 minutes, ils ont tous les deux à parler. Parce que Pompeo dit le pape qui est rentré là. Je vous écoute la soirée. Scoop. Donc, rencontre-le, tu prévois pour le fait. À 4h40. Comme le pape a fait, il y a une vague sur ça. Scoop. Mais, il y a un schedule où tu es voyant, tu es pour rencontrer à 4h40. Comme c'est un seul hôtel de Tedeson, un ambassadeur. Hôtel ça, c'est là. Scoop. Et une délégation, je venais là, Mazil Badali. Pas de place sur ce protocole là. Parce que c'est couru vers l'autre bois, il prend en charge. C'est le président Jovenel, ministre des Affaires étrangères, 6 agents de sécurité et 2 mounes dans la communication. Donc, dans la rencontre qui était gagnée,
Pompeo avec Jovenel parler de organisation des élections. Scoop. États-Unis mandé pour organiser élections, monter CEP organiser élections tout de suite. Scoop. Il y a annoncé que Américains ont soutenu le processus électoral. Toute bagarre fait inclusivement. Scoop. Sous base de consensus. L'aime fait une bonne information ça. Kounia surprise. Ou abdim. Negaria bay menti. Maintenant, est-ce que toi, qui me suis, tu as la vérité? Parce que l'on n'a pas menti. Faut ou même ou dit la vérité. Oui, Negaria a soutenu le pouvoir. Mais Neg qui t'a bay menti hier, il était contre le pouvoir. Est-ce que tu as cherché un menti avec vérité ou bien moun qui gagne information? Donc, moi, pas nous information. C'est Pompeo qui a décidé de ne pas rentrer. Maintenant, soutenir la Jovenel, ils sont en fait. On a dit, monsieur, je suis désolé, je ne vais pas camper dans le couloir avant. Ils sont en fait. Bon, bah, nous faisons, il va y avoir ça ici, non? L'NBZ mette madame, nous comme ministre, nous allons honte. L'NBZ mette cousine, nous secrétaire d'État, nous allons honte. L'NBZ mette frère, comme directeur général, nous allons honte. Bali, Bolova. Nous comme mon papa, nous allons honte. Le linge sale sur l'avant-famille, dit-on. Mais pas aucun linge sale tape l'avant-famille là. L'on vole le cop l'État, on prend le cop l'État et vous ne pouvez pas payer l'État, ou pas honte. L'on détourne le cop Petro-Caribéa, ou pas honte. L'on vole le cop Lona, ou pas honte. Ou pas honte. L'on crase le cop Clinton, ou pas honte. L'on contraire à l'État haïtien, ou pas respecter, ou sous ses 100 peuples là, ou pas honte. L'homme bail menti chaque jour, sous paysan yo, ou pas honte. L'homme bail menti la saline, la faussette, n'en ka foufeuille, ou pas honte. Mais les Marc Pompeo, campé à Joviel, ou honte pour ça. L'homme fait tout mandat, ou pas j'en fais, c'est jouer, ou pas jouer, ou pas honte. L'homme pote poupou, ne machine ou à le déposer le parlement, ou pas honte. Chalmas à la côté. L'autre candidat, ou fait promesse ou pas respecter après 4 ans, après 4 ans mandat, ou pas honte. L'autre fin volé comme pays a, et vous besoin de retourner encore comme président, ou pas honte. Mais pitié, vous non. Et ça fait une mesure, mon candidat, pour nous toujours critiquer. On n'est pas candidat, c'est pour qu'on construise. Depuis cœur pas bon. Depuis cœur pas bon. Ou pas qu'un candidat dans le pays ça. Ou pas produit même ça que produit là. Bah bravo! Oh bravo! Vous devez questionner de tout. Ou bien nous dire, et pouvoir, son pouvoir qui gagne compétent là-dedans. Pouvoir, son pouvoir pas fait suivi. On va raconter parce qu'on compte à courant pour le peuple là-bas fait. Ou t'as qu'à veiller peut-être si on compte à ça, il y a l'argent qui a fait sous côté. Mais on va raconter pour qu'on continue à quitter nous vivre de la route. Mais pays, oui, vivre de la route, qu'on y a l'un peu pouvoir, ma porte lumière pour vous. Pour qu'ils soient pas, ou pas accepter, ou t'as content pour bain, on t'y lumière. Je dis, demain on va plus de lumière, l'homme prend pouvoir. Non, Gary, écoute, tu es mon ami, et de me craser, pays ça. L'homme prend pouvoir, n'arrange le. Mais on nous quitte ça qu'a fait là. Fait, l'homme veut prendre pouvoir pour avancer. C'est comme ça qu'on construit un processus de développement, un dynamique, un cheminement. Non, il faut nous craser toute bagaille, et puis après ça, pour nous commencer à zéro. Quel résultat, l'homme là? À moins que c'est mené à peine bien. Mais qui t'a fait comme dans le cap, mais bien. Et peuple là, ça qui passe là. Moi, Jovenel, toujours là. Ça qui passe là. Moi-même, je comprends. Le cap, j'étais Jovenel. Et c'est le cap de jeter Jovenel pour n'aller plus devant. Mais Sorel dit ça. Il dit nous évaluons, nous faisons évaluation. Nous remarquons qu'on bon erreur qu'on a fait, nous allons corriger. Donc, nous n'étions pas encore prêts pour le loc. Est-ce que nous sommes prêts pour l'autre bagaille qui peut venir?
j'aime dire sur la palière, par exemple, je pense que Dubaï qui dit qui est important. Il va le prendre pouvoir. Il va voir qui est-ce qui prend le pouvoir. Il va le faire largement là. Mais je lui ai fait une question, je me dis, contre Moïse Akaristide. Pas aucun nègre dans l'opposition qui va prendre le pouvoir ici sans Moïse Akaristide. Et moi, je dis ça. Vous avez réuni tout le bagage. Depuis Aristide, pardon, avec Moïse, depuis qu'il y a élection, monsieur Nbedu, va le mettre continuer l'émission. Chalmas à la côté de cause, papa. Rendez-vous 33 a déjà 12 ans. Et comment ne pas fêter ça? Comment ne pas aller dire bonne fête à Rendez-vous 33 le 21 août? Pour fêter la plus belle, nous pourrons le boîtier ceci, cela. Nous pourrons le fêter avec Bimix, DJ Fatboy africain. Et le compas, pourquoi pas avec Impossible? On va danser Impossible, oui, parce que Rendez-vous 33 a fait de l'impossible possible pendant 12 ans pour donner un service de qualité à sa clientèle. 21 août, quantité pour qualité. Nous parlons en quantité by Rendez-vous 33, yon quantité love pour la qualité de son service. Sponsor Impact FM, Marcel La Solution, Storm TV, IFJ, Bell TV, Online Management Reality, Intech Services, Live Promo, Ticket en vente, Neil Gould, Rendez-vous 33 Impact FM. Contact 47 78 18 78 33 90 74 74.
14, Impossible B-Mix, Africa, DJ Fatboy, 12-21. 12 ans, rendez-vous 33, le 21 août. Rendez-vous 33, déjà...